Bienvenue à Roland-Garros, bonjour à toutes et à tous en ce vendredi 27 mai, jour des troisième tour ici à Roland-Garros. Et pour m'accompagner ce matin, pour faire le bilan de la journée d'hier et se projeter sur la journée d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Dechy qui est membre du comité de pilotage. Bonjour Nathalie. Bonjour Émilie. Comme tous les ans on se retrouve, c'est un plaisir. Merci, de même. Bon, comment ça se passe? J'aimerais que tu nous racontes déjà le début de tournoi et j'aimerais que tu nous dises un petit peu une journée type, toi qui es aux côtés d'Amélie Mauresmo pendant toute la quinzaine. Comment ça se passe? Bah, je pense que le tournoi est bien lancé, il se passe très bien. C'est vraiment un rythme différent par rapport aux deux dernières éditions qu'on a vécues avec Covid, où il n'y avait pas de public et donc on avait ces contraintes en moins, je dirais, par rapport à la programmation. Alors c'est un vrai plaisir de retrouver du monde, de retrouver de l'ambiance dans le stade. Mais voilà, il y avait quelques petites adaptations à faire et elles sont faites avec plaisir. Si je parle d'une journée type, on est on a tout un travail sur la première semaine autour de la programmation. Qui fait toujours débat parce qu'en fait, en fonction de quels sont les intérêts, les résultats ne sont pas les mêmes. On a forcément des demandes côté télévision, on a forcément des demandes côté public, quand le public a réservé ou les hospitalités ont réservé le cours central, ils s'attendent à avoir des matchs sur le cours central. On a une petite règle quand même de l'alternance où on s'engage à ce que... Au moins tous nos joueurs aillent jouer sur le cours Suzanne Englen une fois. On a quand un joueur a joué en night session, sur le tour d'après, on essaye de pas le remettre trop tard. On a les demandes des joueurs qui, quand il y a un petit bobo, quand il y a un joueur partage un entraîneur, et donc il faut gérer la programmation sur plusieurs joueurs. Voilà, toutes les demandes s'accumulent. Vous multipliez ça par sur la quinzaine, sur les trois semaines de tournoi, il y a presque 900 matchs. On tourne en ce moment à plus de 60 matchs par jour. Voilà, ça fait une gymnastique, je dirais, assez exceptionnelle, orchestrée par Rémi Azemar, notre juge arbitre qui est maintenant vraiment la tête pensante de tout ça, mais avec toutes ces contraintes et Amélie Mauresmo, bien sûr, qui vient. Et puis, ça se fait un peu la veille, après on revient plusieurs fois dans la journée, la météo qui vient se rajouter aussi par moment. Elle est fraîche la météo, dis donc, cette année. Elle est fraîche mais peu humide. Ouais. En fait c'est marrant parce que c'est vraiment la particularité de la terre battue, je trouve. On a eu des qualifs très chaudes, ouais. Et donc avec une qualité de jeu très différente de ce qu'on a là, quoi. Quand on perd, il y avait sur les premiers tours de qualif, on était au soleil à plus de 43-45 degrés, plein soleil et avec une belle humidité, et puis là on tombe sur un ressenti ce matin peut-être à 12 degrés, donc la balle ne rebondit plus de la même manière, quoi. Nous quand on a changé notre balle il y a 2-3 ans et on avait elle est vive là cette année, hein. Elle est vive, mais quand la température descend, le pourcentage de rebond descend aussi drastiquement, quoi. Donc on voit des conditions vraiment différentes. Les joueurs doivent s'adapter. Ils n'ont pas le choix. Mais ça en a surpris. Je pense que ça en a surpris plus d'un au tout début du tableau final. Une chose qui a été vive hier et qui on est rentré dans l'histoire parce que ça a été la première night session avec un match féminin hier soir. Avant de parler d'Alizé Cornet, je voudrais qu'on voit l'instant Insta. Voilà, je n'oublierai jamais cette nuit-là. Merci Paris, Alizé qui s'est imposée en 3-7. C'est canon parce qu'on a une joueuse française qui continue l'aventure. En toute honnêteté, hier, quand vous avez vu, quand je dis vous, toi et toute l'équipe, le 6-0 au premier set, c'est canon, tu dis c'est top, Alizé peut s'imposer et va continuer l'aventure. Mais tu dis quand même dans un coin de ta tête, en toute honnêteté, j'espère que ça va durer un peu le match. Oui, même si on se doit d'être impartial, c'est vrai que le 6-0 en 20 minutes était un peu raide pour les spectateurs qui venaient à peine de s'installer. Donc après, heureusement pour le spectacle, en fait, Ostapenko a élevé son niveau de jeu. Et puis il y a eu bagarre dans le troisième set. Je pense, voilà, on voit vraiment le sourire d'Alizé qui allait... je pense qu'elle avait à cœur
elle avait super bien joué en Australie, elle avait montré des choses exceptionnelles en Australie, elle est sur une longévité et on voit que maintenant tout ça c'est du bonus et elle a envie de vivre tous ces moments-là ici à Paris. Donc il y avait cette petite incertitude, on gagne 6-0, on perd le second, il y avait matière à se tendre, ouais. et je trouve qu'elle l'a vraiment bien géré sur une fille qui a un tennis complètement je suis pas sûre que c'est celui-là qu'il faut enseigner. C'est clair. Dans les écoles aussi où c'est top hein, de le suivre. Alors lui il rentre sur le terrain, il y a la foule qui applaudit déjà, qui est totalement en fusion avec lui, c'est hallucinant. Il attire la foule à lui, c'est canon, ouais. À regarder aussi. Ouais, il est tout le monde se souvient de lui, il avait égayé notre Roland-Garros version triste 2020. Exact. Il a été exceptionnel à Bercy aussi, quand même, parce que le match contre Alcaraz avait fait exploser Bercy. Et je pense que les gens l'ont vu, les téléspectateurs l'adorent. Et c'est le petit gars qui peut tout faire, quoi, on a l'impression. Donc là, beaucoup de joie sur son visage et transmise aux spectateurs. Donc on a hâte de voir le troisième tour. En plus, on a l'impression que ce sont des matchs jouables, comme Léolia, comme Diane. Voilà, il y a combat, quoi. Effectivement, il y a combat et Hugo Gaston qui continue l'aventure à Roland-Garros. On va les retrouver alors pour un sujet hyper important. On en parlera avec toi, Nathalie. Et après, on va aller retrouver le billet d'humeur, Julien Pichenet, qui est près des transports. Salut, Julien. Bonjour Émilie, bonjour Nathalie. Effectivement, je me trouve porte 11. C'est l'un des endroits du stade où les joueurs et les joueuses font leur entrée avec les voitures officielles. Je fais attention, je jette des petits coups d'œil derrière moi parce que c'est un balai incessant de voitures qui viennent et qui repartent. Ce sont ces voitures officielles qui font la navette entre les hôtels des joueurs, les aéroports et puis le stade Roland-Garros. On en compte 160 cette année des voitures officielles. Il y en a beaucoup plus que la première année où on avait mis en place ce service en 1977. Il y a le même nombre de joueurs et de joueuses, mais à l'époque, en 77, il n'y en avait que 15 des voitures officielles. Il se passait magnifique. Ah oui. Franchement, tu fais ton live, l'arrivée de Raphaël Nadal, tout ça, c'est du direct. Alors, franchement, c'est possible. Julien, je t'avais dit tout à l'heure, si t'arrives, s'il peut y avoir un grand joueur qui arrive, là, on a le summum. Numéro 1 mondial aussi chez les filles, Iga. Exact. Iga Świątek. Et il se passait quoi avant 77? Alors, avant 77, bon, c'est une autre époque, hein, on était vraiment à la cool. Avant 77, les joueurs et les joueuses venaient par leurs propres moyens, c'est incroyable de dire ça, dans le stade Roland-Garros. Ils venaient à pied, ils venaient à vélo. On voyait la bande des joueurs hippies dans les années 70, cheveux longs, qui venaient souvent à vélo. C'était des écologistes avant l'heure, ils venaient à vélo au stade. On en a vu aussi prendre le métro, on en a vu venir avec leur propre voiture. C'est le cas, ça c'est complètement culte, de Nicola Pietrangeli, joueur italien qui a gagné ici en 59 et 60. En 59, le jour de la finale, il vient dans le stade avec sa Buick cabriolet et avec lui dans la voiture Miss Candida qui était une des stars du Crazy Horse, et il garde sa voiture au pied du central avant d'aller jouer sa finale et de la gagner. Ça c'est complètement incroyable. Mais la plus belle anecdote, je trouve, de toute l'histoire de Roland-Garros, c'est en 1946, il y a deux Américaines qui sont en finale, elles sont copines, c'est Osborne et Betts, elles partagent le même hôtel, le jour de leur finale, elles s'affrontent hein, toutes les deux, elles viennent ensemble au stade Roland-Garros et elles prennent le métro. Et vous savez que la ligne 10, elle est un petit peu compliquée quand on la connaît pas très très bien. Porte d'Auteuil, c'est sur la ligne 10 du métro parisien, et parce qu'elle fait une boucle à sens unique et elles ont eu un petit peu de mal à comprendre le fonctionnement de cette ligne 10 et du coup elles se sont perdues, et comme elles parlaient pas français, elles ont eu du mal à demander leur chemin et à comprendre ce qu'on leur disait. Elles sont arrivées toutes les deux avec une bonne demi-heure de retard pour disputer leur finale, mais elles l'ont joué, mais c'est absolument magnifique. Elles sont arrivées toutes les deux, les spectateurs les attendaient pour qu'elles démarrent le match. Tout le monde était prêt, mais il n'y avait pas les joueuses. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Canon, cette anecdote. Ça mettrait sous tension à la Steffi Graf des années 88, je dirais, quoi, parce que c'est elle a une concentration, elle a un physique déjà qu'on savait exceptionnel, une qualité de balle sur terre battue vraiment très bonne, et puis là une concentration où ça passe, et ça passe vite à chaque match. Christophe Plenet dans l'oreille me dit c'est son 12e 6-0 en 2022. Ouais, c'est énorme. Non, c'est, elle atomise les joueuses. 15e, corrigé à 15. Ouais. Donc, après,
il faut toujours faire attention parce qu'une série se termine à un moment. Elle peut avoir un jour sans. Les joueuses jouent en 2-7. Donc, il peut y avoir un jour sans qui se passe beaucoup plus mal que chez les garçons où tu as quand même le temps de rentrer dans le match sur 3-7. Donc, un grand chelem, c'est 7 matchs. C'est pas facile, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une favorite comme ça, quoi. On va la suivre avec attention et on va suivre avec attention tout à l'heure le match du jour avec Diane Paris. Diane Paris, Sloane Stephens, tout à l'heure, troisième. Sympa ça comme match. Diane qui continue, premier, troisième tour.